Lo hicimos muy bien. Son las 12 ya con 15 minutos, ¿eh? 12, un cuarto ya comienzo de la tarde de este sábado 13 de octubre del 2018. Bueno, está acá con nosotros Mateo, Bautista, Antonio y Nicolás. Ellos son de un proyecto asociativo que se llama, proyecto asociativo de montaña que se llama La Huella del Puma. Y dentro de eso está el trabajo que están haciendo, tiene que ver con ir buscando lugares, descubriendo lugares donde se podría hacer montañismo, donde podrían llegar personas que quieran a lo mejor acceder a algún tipo de montaña. Más o menos esa es la idea, ¿no? C'est à peu près ça, oui. Mais c'est pas un hasard si on s'est retrouvé dans ce petit village de Chaitén. Gus, l'intrépide de la bande, connaît déjà le parc de Pumaline, le lieu où vivent les Pumas, en langue indienne Mapuche. Et il s'était promis de revenir avec des cordes et des mecs à accrocher dessus. Il en a trouvé trois. Anto, jamais peur, toujours faim. Baptiste, le déconneur de la bande, et moi, Nico, pas le plus téméraire, mais toujours prêt à faire des images. La cerise sur le gâteau ? Entre-temps, une asso de montagne s'était créée à Chaitén, ne demandant qu'à grandir. Notre projet ? Aider cet asso en ouvrant des sites d'escalade, faire des ascensions autour de la ville afin d'en écrire des topos, et pourquoi pas monter au sommet du célèbre Corcovado. Le Cerro Hornos, c'est une de ces montagnes agressives qui attire inévitablement le regard du montagnard qui remonte la célèbre Ruta Siete. Il n'y a strictement aucune information sur ce sommet qui semble encore vierge. Et les différentes sources topo se contredisent complètement à son sujet. Forcément, quand Gus était là il y a 3 ans, ça lui a tapé dans l'œil. Et il avait échafaudé un plan précis. Se faire déposer en bateau sur les bords du fleuve Yelcho pour remonter une rivière sur le flanc est et ainsi essayer d'atteindre la base d'une épaule de glacier. Ensuite, il faudra improviser et trouver un chemin au milieu des glaciers pour réussir à atteindre le sommet. Au départ de l'Hornos, après avoir fait un petit trajet en bateau avec notre ami, il nous a amené jusqu'au début du petit ruisseau qu'on veut remonter. Et ben on se retrouve dans une forêt assez inondée, puisqu'il y a eu des pluies il y a 2 jours. Du coup, on va essayer de trouver notre chemin à travers marais et rivières et forêts. Avec un petit sac à dos de voyage. Avec un sac à dos de voyage léger, compactable. Et... À la hauteur de l'expédition. Est-ce que t'es content? Nos espoirs. Est-ce qu'on est content? On a beaucoup d'espoir, mais pas beaucoup de chance. Mais est-ce qu'on est content? Ah oui, on est content. Ah, c'est bien mieux ici. On est content. Tiens, ça glisse, disons. Allez les petits, on s'abreuve. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, mais on fait boire des andinistes qui ont soif. Ce sera le proverbe du jour. Il nous blado. Il a dit un petit peu en blado. Ok. Un truc. Muchas gracias. Un
d'altitude. La côte à venir atteint les 3000 mètres. Cuota de la cuota de nieve. La cuota de nieve. Tres. Sería en la altura del grado cero. Puerto del viento a las 15 horas. Ah, putain. 15. Par le crampon droit. Toujours le crampon droit. Puis ensuite le crampon gauche. Toujours en deuxième le crampon gauche. Voilà, les deux compagnons, Mathieu et Antonin, sont partis à l'assaut du rocher, le Hornos numéro 2, ou Hornosito, un peu plus bas que celui qu'on vient de gravir. Et moi, je suis sur mon balcon, la vue est pas trop mal. Je profite, zen. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y avait plus de cacahuètes dans le sachet. La bonne nouvelle, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans le sachet. Et du coup, il y a plein de cacahuètes au fond du sac. Du coup, je vais me régaler. Gravir des sommets avec nous, c'est une chose, mais les membres de l'association avaient besoin de formation et de matériel. Pour la formation, l'ancien mur du collège désaffecté fera l'affaire. Côté matos, grâce à nos partenaires, on n'était pas venus les mains vides. Des cordes, des baudriers, mais aussi et surtout une grosse caisse de plaquettes pour équiper tout un site. Ne nous manquait plus qu'à trouver l'endroit rêvé. On a finalement trouvé une paroi sympa, accessible à vélo depuis la ville. Petite falaise. C'est pas bien haut, mais c'est pas mal, hein. Il y en a qui s'appliquent pour l'agrandir, hein. En train de te dégager une arête, mon petit, hein. Voilà. Un peu humide, certes, mais une fois nettoyé, ça fera l'affaire. On a passé des jours et des jours à débroussailler, brosser, poser des points. Voilà. Notre cher candidat Nicolas pour cette ascension. Nicolas qui nettoie la paroi en même temps qu'il grimpe. En même temps qu'il grimpe, déconcertant de facilité. Cet acteur n'est pas le dernier, ne sera pas le dernier en tout cas à monter sur cette voie. The last human to climb this wonderful. Wow, je balance pas de la boue là. Le site Chaiten Playa comporte maintenant 7 voies, du 5B au 7A.
para mí esto es como un legado, lo que hicieron, como que nos dieran algo para que nosotros hagamos uso de eso y que esto siga, depende de esa energía, de... Por ejemplo, yo, en mi caso particular, quedo hiper contento, o sea, cada vez que vengo acá me gusta muchísimo y, no sé, el día que ustedes se vayan y dejen este legado, voy a insistir a que gente me acompañe para venir acá. Por lo menos de mi parte, esa es mi intención y también transmitírsela al resto de las personas porque qué mejor estar, no sé, acá en el bosque, con agüita, con la piedra, con el sol, y es muy lindo. Así que, sí, para mí que sí. En la selva patagónica, donde viven chucao y puma, si sigues este olor extraño, la huella te llevará al kilómetro 4. Ven a explorar Chaitén Cachai, vamos rodeando por allá si pueden, que la pirámide al Michi, ay, ay, ay.